Et salut! Donc ce matin, je vous propose une séquence de training, dans le sens entraînement. Nous n'arrivons pas à trouver vraiment un nom pour cette matière que je transmets, partage, dans le cadre de ma méthode Mieux-être par le mouvement. En tout cas, si elle n'a pas de nom, je peux vous dire de quoi il s'agit. Il s'agirait de redonner du mouvement là où il y en a moins, là où il n'y en a pas assez. Ça peut être dans les articulations, ça peut être aussi dans les tissus musculaires, ça peut être aussi entre un bras, une épaule, une cage thoracique, la liaison ne se fait plus. Et ce, de façon agréable, douce, une manière d'aborder le travail du corps où le corps ne se défend pas parce qu'il a mal et parce qu'on lui propose aussi des gestes qui sont anatomiques et qui sont dans le sens de la façon dont il a besoin de fonctionner. Voilà pour l'explication. Un petit détail en plus, ça s'apparente à de la danse parce que c'est en rythme. Les gestes sont extrêmement simples, on les a déjà fait 1000 fois, mais ce qui va changer, c'est la façon de les faire avec un regard porté sur ce qui se passe dans nos corps au moment où nous faisons ces mouvements. C'est une sorte de méditation active. Ça ne requiert pas non plus une concentration de ouf. On fait ce qu'on peut, comme on peut, et de toute manière, ça se passe et ça travaille. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans un petit warm-up tranquille de quelques minutes. Et je vous propose avant de faire un petit tour du propriétaire et on le fera à la fin aussi pour savoir ce que ça a produit dans nos corps. C'est parti. Je vous propose simplement de vous mettre debout dans une position qui vous convient. Prenez le temps de relâcher. Alors là, vous n'avez pas besoin de me regarder, donc je m'arrête. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, vos postures. Ne cherchez pas à ressembler à quoi que ce soit, mais simplement posez votre attention sur vos deux pieds et la façon dont le poids du corps est réparti sur l'un et sur l'autre. Et ne jugez pas en termes de c'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche. C'est pas ça la question. La question, c'est de faire le tour du propriétaire avec un regard bienveillant et non jugeant en termes de c'est bien, c'est pas bien. Voilà, où est le poids de votre corps? Prenez le temps de percevoir vos genoux et la façon dont ils sont pliés ou tendus. Comparez le genou droit avec le genou gauche. Qu'est-ce qui est différent? Posez votre attention sur votre bassin, ce que vous ressentez de la ceinture pelvienne. Juste ce qui vous vient à l'esprit, ça suffit largement. Posez votre attention sur la ligne de vos épaules et la sensation de vos épaules. Faites tout le tour de la ceinture scapulaire. Regardez comment vous sentez cette partie du haut de votre dos. Son volume, la sensation. Regardez la longueur de votre bras droit, la longueur de votre bras gauche. Et entre votre bassin et vos épaules, il y a votre ventre et votre dos et toute la partie de l'abdomen, mais aussi de l'arrière du dos, la région lombaire. Comment est-ce que vous percevez cet endroit? Ne changez rien. Venez regarder maintenant votre courbure cervicale et mettez-la en parallèle avec votre courbure lombaire. Regardez ces deux courbures ensemble. Et puis, au sommet de tout cet édifice, votre tête. Comment est-ce que vous percevez la position de votre tête en haut de votre colonne cervicale, de votre cou? Et regardez la distance entre votre menton et votre poitrine. Qu'est-ce que vous en ressentez? Et si vous avez fermé vos yeux, ouvrez-les, ou si vous les avez gardés ouverts, gardez-les ouverts. Regardez sans rien changer où se porte votre regard. Sur quel objet, sur quel endroit du mur en face de vous, si vous êtes dans la campagne, où se porte votre regard? Très bien. Relâchez votre attention et nous partons tranquillement en musique. Alors excusez-moi, d'habitude j'ai une voix douce,
Et entre le vent et la musique, je vais essayer de ne pas parler comme un caporal ou un général d'infanterie, mais c'est difficile. On va simplement jouer avec des pieds un peu écartés, à mettre le poids du corps à droite et à gauche. 2, 3, 4. Et on sent ce qui se passe dans les pieds, qui s'écartent peut-être ou pas, qui reçoivent le poids. Encore. 1, et 2, et 3, et 4. On sent le poids qui vient se répartir sur le pied droit. Et sur le pied gauche. On en reste là, on va juste plier nos genoux. Voilà, juste pour les plier, leur donner un petit peu d'aisance dans le plier. Ok. Bien. On va refermer un peu les pieds, on va se mettre un petit peu en rythme. Des petits pliés. Mais si légers qu'ils ne font pas mal. Voilà, comme si on voulait un peu décontracter les articulations des genoux. Et peut-être qu'on sent que c'est pas si confortable que ça parce qu'on a les genoux un peu rouillés. Eh bien, c'est pas grave. On les force pas, on essaie de sentir ce qui se passe. Très bien. Et on s'arrête. On va replacer ici nos jambes. Écartement des hanches à peu près. On file un peu. Nous sommes partis. On va croiser nos mains. Il y en a qui connaissent. On monte les bras en inspirant. On reste au sommet de son inspire. Et on descend en soufflant. 5, 6. Ouvre les côtes. On reste au sommet de son inspire. Maintenant, on revient en soufflant. On reprend en sentant les côtes qui s'ouvrent comme un accordéon ou un éventail. Et en soufflant, l'éventail se referme, l'accordéon aussi. Le dernier, inspire, monte les bras, emmène les côtes avec toi, sens l'ouverture de ta cage thoracique. 7, 8, reviens en soufflant. On passe les bras par le côté, inspire, emmène les côtes, reste au sommet de ton inspire, droit comme un arbre, redescends. Les bras montent comme un arbre qui se dresse, qui va vers le ciel. Ça entraîne les côtes. En inspirant, reste ici. 8, descend. 1, 2. Et en descendant, on sent qu'on referme l'éventail des côtes. C'est en soufflant. Et monte. Inspire. Et souffle en descendant. Replace les côtes. Comme si on voulait s'asseoir, laisser les bras tomber, descendre jusqu'en bas et relâcher la tête. Remonter en déroulant le dos, la tête en dernier. Ok, je le fais une fois si vous voulez bien regarder, parce que le faire en même temps que moi c'est compliqué. Je descends dos plein, dirait un gorille. Je relâche ma tête. 7, 8, je déroule. En gardant mes jambes fléchies, j'y tiens beaucoup, je déroule ma colonne vertébrale, ma tête en dernier, je tends mes jambes à la fin. Ok, 6, 7, 8, je reste de profil, ça vous montre un peu la position, allez on y va. 3, 4, jusqu'à 8, la tête, 6, 7, 8, on monte un peu les fesses, on garde les genoux fléchis, on déroule le dos, la tête et les jambes en dernier.
se replace et on rebâtit sa verticale. Une dernière fois et fléchis. Donc là, on est des chimpanzés. Relâche la tête. Et hop les fesses et ensuite le dos, les genoux fléchis, relâche, replace et on est arrivé, super. On va se replacer ici, on va considérer notre colonne vertébrale qui est verticale et on va lui donner des inclinaisons latérales pour ouvrir la colonne vertébrale sur le côté. Ça c'était pour la droite, et si je considère ma colonne vertébrale, je vais l'ouvrir sur le côté gauche. Pas que ça pince ici, ça s'ouvre ici, mais plutôt à l'intérieur, ok? J'espère que vous m'entendez, hein. Donc je répète, on va travailler la colonne vertébrale dans ce sens, et dans celui-là. Évidemment, ça va ouvrir les côtes, et ouvrir les côtes, ok? Jambes légèrement écartées, on monte un bras, on est vertical et on fait une petite ouverture costale pour incliner la colonne vertébrale. 1, 2, 3, 4, 5, pas plus qu'un arbre qui plie un peu sous le vent. Et 1, prenez-vous pour un roseau. 3, le vent a tourné. 5, 6, 7, le vent change et youp! Là, c'est parti. 3, 4, petite inclinaison de la colonne vertébrale, toute douce. 7, 8, encore. Et 1, 2, 3, on se grandit, on essaie d'attraper une étoile au passage. 6, 7, 8, et on se grandit de l'autre côté. On incline légèrement, regardez, ça fait même pas un C, ça fait un arc. 7, 8, tiens, l'image du roseau. 3, et l'image du roseau, sans que tu ouvres le colonne vertébrale sur le côté. Ou imagine, 6, 7, un dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relâche, super. On va fléchir nos genoux. Voilà, on lâche un petit peu le bassin. Dans cette position, on va sentir notre bassin qui peut twister d'un côté de l'autre. Okay, vous sentez que le bassin peut partir. Alors, on va le bloquer. On va dire que ici, ça reste en un seul bloc bien solide. On va ouvrir nos bras. Et avec notre bras droit, on va venir tenir un ballon de hand. Vous sentez que ça emmène vos épaules, mais pas le bassin. Et on va le déplacer de l'autre côté. D'amplitude, mais sans la forcer. C'est-à-dire, on va chercher là où ça peut bouger.
C'est peut-être un petit peu moins que ce que vous espérez, c'est pas grave. Ça reste doux, on prend personne en otage. Et 1, 2, 3, allez les deux ensemble après ce moment. 2, 3, les deux. Et 1, on met de l'huile dans les articulations. 4, 1, et 2, et 3, et on essaie de sentir comment ça entraîne la cage thoracique. Les côtes, le sternum, la poitrine, le dos qui bouge, les omoplates. 3, 4, encore et hop là. 2, ne le faites pas automatiquement. Sentez ce que ça produit ailleurs que dans vos épaules. Et encore. 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et maintenant, on va s'accroupir. Ça va garantir la douceur pour notre tête. Si vous n'êtes pas bien accroupi, restez debout. Hein, ou asseyez-vous en tailleur ou sur une chaise. Et on va bouger très gentiment notre tête. On va dire oui. Des petits oui. Oui. Tout petit. Encore. 5, 6, et 7 et 8. On va dire non. Non. Des petits non. Pas violent, hein. Voilà. 5, 6, 7 et 8. Petit oui. Oui. Adressez-vous à quelqu'un d'imaginaire. Vous allez voir, ça fera un geste super juste. 5, 6, 7 et 8. Et non. Un petit non confortable. Le vôtre. C'est pas forcément le mien. 6, 7 et on en restera là. Alors on va maintenant incliner un peu la tête à droite et à gauche. Mais en pensant à quelque chose qui a du sens. Pour éviter de faire des trucs comme ça qui blessent le cou. On va juste s'interroger. Et les chiens, ils font ça très bien. Ça veut dire, ah bon, tu crois, ah, je sais pas, ouais, peut-être, touc. Petite inclinaison, c'est pas droit, c'est normal. La tête n'est pas droite, hein. C'est que des poulies rondes. 6, 7 et stop. Ça a marché? Hop, ok, relâchez. Avec un peu plus à s'installer très confortable dans ses fesses, d'accord, voilà, hein, je me mets deux, voilà, hein, ok, c'est paysan, hein, la terre, ok, n'ayons pas peur des mots. Alors je vais mettre mes fesses à droite et à gauche. On va pas le faire longtemps parce que peut-être que c'est pas confortable pour vous pour le moment. Tac, 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 encore. C'est un peu comme si je balançais mes fesses et mon bassin au bout de ma colonne vertébrale. Mes bras me servent vraiment, ils sont appuyés sur mes genoux. Hein. Si je les enlève, je tombe. 6, 7 et stop. Voilà, petit plaisir. Pas trop longtemps, c'est aussi bien. On va attraper quelque chose, un pot, et on va le mettre sur une petite table devant nous, là, en diagonale, ici, d'accord, et on va le déplacer et on va le mettre de l'autre côté. Vous voyez le jeu de mes jambes? Je m'éloigne pour que vous me voyez. On y va. Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, ça va pas, on change de côté. 2, 3, et 4. C'est un vase de Ming, faut pas qu'il tombe par terre. C'est le vase Ming de la belle-mère. 6, 7, 8 et 1 et 2, précieux. 3 et 4, 5 et 6 et 7. Et on le déplace encore une fois ou deux ou trois ou quatre. 7 et 8 et 2, ça suffira. Et 3 et 4. Et bien on va le jeter par terre. Et jette. Et jette. Allez, casse le vase, tant pis. Et 1, et 2, et 3, et 4, encore, ya, yeah, ya, yeah.
position du début. Ou replacez-vous. Relâchez vos bras, relâchez vos bassins, vos épaules. Et moi j'arrête. Prenez le temps de sentir le poids du corps sur vos deux pieds. La sensation de vos deux genoux. Les sensations de votre bassin. Les sensations dans vos épaules, toute la ceinture, à l'avant et à l'arrière. La longueur de votre bras droit, la longueur de votre bras gauche, entre votre épaule, vos épaules, pardon, et votre bassin, toute la partie du tronc, du ventre, avec la colonne lombaire et votre ventre. Sentez maintenant votre colonne cervicale, votre colonne lombaire, l'une et l'autre. Les courbures, comment est-ce que c'est maintenant? Quelles sensations vous en avez en ce moment même? Et par rapport à tout à l'heure? Et la position de votre tête au sommet de l'édifice de votre corps. La distance entre le menton et un point sur la poitrine. Comment est-ce que c'est maintenant? Et si vous avez fermé vos yeux, ou si vous avez les yeux ouverts, où se pose votre regard à présent et par rapport à tout à l'heure? Est-ce que c'est différent? Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous recommande de faire cette petite séquence qui dure, je le vois, 23 minutes. Dès que vous avez travaillé, par exemple, faites-vous un timing, 40 minutes de boulot sur l'ordinateur, en train de se coincer un petit peu à la fin sur le travail et sur la chaise, et 20 minutes de pause. Je ne dis pas de faire ça toutes les 40 minutes, mais offrez-vous-en une le matin, une l'après-midi, vous allez garantir votre dos, vous allez garantir le bon fonctionnement viscéral, vous allez garantir le bon fonctionnement de votre respiration, et du coup garantir le fonctionnement de votre cerveau et de votre moral. Voilà, c'est du mieux-être par le mouvement, et puis je vous dis à très bientôt. Enjoy, ciao.